Chaque jour un fait sur mes perroquets. Coucou les amis, donc premier petit sujet pour moi, l'alimentation. Donc c'est vrai que quand on adopte un perroquet, on se dit qu'on lui met une poignée de graines et tout roule ma poule. Et en fait, pas du tout. Nos perroquets ont vraiment une alimentation importante. C'est la clé de la santé. C'est comme nous les humains. Si on mange mal, notre santé n'est pas au rendez-vous. Et si on fait attention, on peut avoir une bonne santé, même si malheureusement les maladies arrivent même avec une très bonne alimentation. Ce que j'entends par bonne santé, et donc c'est l'oméga 3. C'est hyper important pour nos poulets gribouillés fatigués. On a Gribouillette aussi ici qui écoute attentivement. Alors du coup, donc mes oiseaux sont nourris par de l'oméga 3 principalement et très peu d'oméga 6. Donc leur alimentation principale va être basée sur des noix, des amandes. Ils mangent aussi des œufs, donc ils ont besoin de protéines. Ils ont aussi du poulet une fois par semaine. Ils ont également de la sardine à l'huile d'olive. Vierge, pareil, une fois par semaine. Et puis après, ils ont des compléments d'huile, huile de palme rouge et huile de foie de morue. Ils reçoivent également des légumes, ça dépend un peu de leurs envies. Et des fruits, ils en reçoivent qu'une seule fois par semaine. Il faut vraiment éviter le sucre pour vos perroquets, c'est vraiment pas bon pour eux. Je ferai une vidéo un peu plus explicative et poussée pourquoi je donne de la viande à mes oiseaux, pourquoi mes oiseaux mangent des os, pourquoi certaines huiles, voilà. Mais je voulais juste partager cette première vidéo avec vous sur un petit peu l'alimentation que mes oiseaux reçoivent, parce que je sais que j'ai beaucoup de messages à ce sujet-là. Au moins, ça vous donne une petite idée et bien entendu, je ferai au fur et à mesure des vidéos un peu plus explicatives sur chaque chose comme le poulet, les œufs, etc. On vous fait des gros bisous. Je pense que le poulet va aller en sieste. Bye bye.